Et YouTube, on cherche le troisième sanctuaire du jeu. Il est pas là apparemment, il est loin. Sors petit robot. Tu comptes aller par là à une heure pareille? Cette zone fait partie d'une région montagneuse très accidentée. Tu dois t'adapter à ton environnement. Je suis là pour parler des précautions de sécurité élémentaires à ceux qui veulent suivre ce chemin de montagne. Est-ce que tu veux les entendre? Très bien. Tu es en montagne, il est vital de savoir allumer un feu. Le feu te permet de cuisiner ou tout simplement de te réchauffer. Je te conseille d'utiliser un silex pour démarrer un feu. Presse un silex près d'un fagot de bois, puis frappe-le avec une pierre ou une arme en métal. Cette méthode, tu peux faire un feu quand bon te semble. Pas la seule méthode, bien sûr, mais vaut mieux commencer par les fondements. Si tu places un récipient de cuisson sur un feu allumé, tu pourras cuisiner quand tu veux et où tu veux. Prends des ingrédients un peu au hasard et les jeter dans le récipient pour voir les plats obtenus. Tu peux choisir soigneusement tes ingrédients en fonction des effets désirés. Ah, et puis autant te le dire, tu peux pas utiliser les insectes ou les matériaux de monstres dans des recettes. En revanche, tu peux te servir pour concocter des remèdes. En montagne, mieux vaut concocter des remèdes qui te réchauffent ou te rendent l'endurance. En tout cas, il faut que tu sois équipé pour faire du feu à tout moment, c'est vraiment crucial. Je t'ai tout dit, prends soin de toi. Merci, bro. Y'a rien dedans. Oh. Vous voulez pas vous péter? Bande de ching. Allô? Alors. Est-ce que j'ai une épée dans le coin? Ça? Mon arme est en feu, let's go. Exactement, cette créature a un physique très aléatoire. Ça? C'est un golem. C'est un robot quoi. Il a été créé par une ancienne civilisation. Qui nous aide là. En tout cas, je vois que tu juges le physique, bravo. Bravo de juger le physique, hein. Y a moyen de faire une salade de fruits? Je pense que si on en fait juste deux, ça fait une salade de fruits, non? Chinéré par ChatGPT, désolé, voilà, mort au moche. Super. C'est forcément le moche de quelqu'un, Funcro. Hein. Donc faut faire gaffe. Hein. Comment on se réchauffe? Ça augmente mon attaque dans une préparation. Tester avec ça. Testons ça et ça pour voir. On va faire des recettes. Hein. Attaque feu. Ok. Quoi d'autre? J'ai pas l'impression d'avoir vraiment des trucs pour augmenter mon... La chaleur quoi. Trois champis, ça fait quoi? La brochette de champis. Ok. Deux champis. Fait une brochette de champis hier en moins. C'est pas si ouf hein, ce que je suis en train de faire, mais ok. Bon, avançons dans ce plateau du prélude bis. C'est où? C'est là-bas? Putain, elle est loin encore. Hein. Est-ce que j'ai traversé quoi? J'ai traversé ça. Là-haut, j'y suis pas du tout allé, quoi. On va y aller par là, je suppose.
Allez, on y va là. Ah mais je vais avoir froid, du coup comment on fait? Orbe d'énergie sono. Ça régène mes batteries. Ok. La noix corps au goût. Un voyeur. Comment je remonte? Par là-haut en vrai. Faut que j'arrête de paniquer pour rien. Alors la question c'est, est-ce que je veux finir la zone tuto avant la fin de la journée? C'est pas sûr. Hein. J'ai que des armes avec des cailloux au bout. Mais ça c'est vraiment une grosse arme. Ok. Oh, d'où la chariote? On a la température, je suis pas dans le froid encore. C'est les problèmes là. Il me balance des trucs à la gueule, mais ça va pas. Arrêtez tout de suite. Le problème, c'est que lui, il peut me ruiner ma vie. Ok, il est mort. S'il te plaît, tombe pas. La matraque forestière, c'est ce que j'ai eu. J'en ai fait une tout à l'heure, c'était pas si ouf. Rondin de bois... Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par la rondade. Fermerai la puissance de l'eau. Ok. Je suppose qu'il faut qu'on aille dans cette merde. Tu peux accrocher un matériau là. Au revoir mon gourdin. On voit rien. Aïe!
sûr qu'il y a des trucs de ouf là. Dommage. Déjà utilisé sur cet objet ? Pas du tout. Mais je peux peut-être le mettre là-dessus du coup. Et là on voit mieux. Pas de ouf hein. Pas géré de ouf. Tu crois que t'es particulièrement sombre et tu auras besoin de lumière pour aller dans la mine un peu plus loin. Si tu as des graines lumos, c'est quoi juste? Tu n'as jamais entendu parler? Fleurs brillent que tu vois là, ce sont des fleurs lumos. Les lumières vives qu'elles émettent permettent d'y voir clair dans les zones sombres, ce qui peut s'avérer très pratique. Lumos pousse généralement en relative abondance dans les grottes comme celle-ci. Malheureusement, mes collègues ont arraché presque toutes celles qui poussaient ici. Donc prie sur moi de conseiller à tous ceux qui s'enfoncent dans cette grotte de se munir de graines lumos. Tu sais que les fleurs lumos ont besoin d'être stimulées pour pousser. Si tu frappes une graine lumos avec une épée ou si tu l'attaques avec une flèche, tu tires l'impact fera pousser la fleur. Fleurs lumos que tu vois ici ont été stimulées par mes soins. Tu veux continuer plus loin? Je te conseille vivement d'utiliser des graines lumos toi aussi. Ok. Ah mais ok, je vois, ok. J'ai l'idée. Où sont les graines? Sur les fleurs lumos. Je suis débile. C'est vrai qu'on voit mieux quand même. Ok. C'est vrai que c'est mieux quoi. Alors. C'est mieux quand on voit quoi. Sonium, fois pour l'énergie qu'il procure et comme matériau robuste pour des armes et armures hors pair. À pouvoir améliorer les armes et des armures avec ça. Ok. Fin du game. Il a rien lui? C'est une batterie. J'ai du somium apparemment. Je sais pas trop à quoi ça va me servir au final, mais let's go. Bonsoir monsieur. Hein? Oh, pardonne-moi mon impolitesse, j'étais concentré sur mon travail. Je raffine du sonium. Sonium? Ah, tu sais pas ce que c'est? C'est le sonium dont je te parle. Il s'agit d'un minerai spécial que l'on trouve dans les profondeurs de la Terre. Il est également possible d'en trouver un peu sur cette île, mais uniquement dans cette grotte.
C'est grâce au raffinage du sodium et sa conversion en d'autres matériaux que notre société a pu connaître son essor. Pour raffiner le sodium, il faut le faire fondre dans un fourneau. On peut ensuite le convertir en divers matériaux. Puisqu'on en parle, les matériaux issus du processus de raffinage seront bientôt prêts, si tu veux bien attendre. Ok. Montre-moi. Merci de ta patience. Laisse-moi te montrer les matériaux qu'on obtient quand on raffine du sodium. Ce sont des orbes d'énergie sonéo. Ils fournissent leur puissance aux objets sonao. Ils ont aussi les cristaux d'énergie sonao qui contiennent la même énergie que les orbes, mais sous forme solide. Donc en résumé, raffiner du sodium, c'est le transformer en d'autres matériaux aux propriétés bien distinctes. C'est quoi les orbes? Les orbes sonao alimentent les artefacts sonao. Moi aussi, les golems tels que moi. Tu dois en servir pour recharger ta batterie. C'est quoi les cristaux? Les énergies sonao contiennent de l'énergie sonao sous forme solide. Ils sont surtout utilisés pour les batteries. Les matériaux que j'ai pu obtenir par le raffinage sont juste à côté sur les présentoirs. Regarde-les pour voir si l'un d'eux t'intéresse. Je vais tout prendre, hein, bro. Du sodium que je compte raffiner, si tu venais à le prendre, je serais bien dans l'embarras. Si tu as des matériaux obtenus par le raffinage, ils sont à côté, va plutôt les regarder. Ok, ok, ça marche. Ça, l'issue du raffinage de sodium par condensation de l'énergie sonore permet d'augmenter la batterie. Ah, ok. Là, j'en prends un, vas-y. Seul exemplaire, pas plus, je t'en demanderai 3 pièces. Vas-y. Ça, c'est des orbes d'énergie, j'en ai 28. Ça, j'en avais 0. Augmenter la capacité de la batterie. Oh non. Je prends tout, vas-y. Je prends 6. Je veux pas que je prenne son sodium. Trop triste. Oh, vu là-bas. Le rendement de cette grotte jadis si abondante en ressources s'amenuise peu à peu. Il faudrait davantage de main-d'œuvre pour maintenir la production à un niveau stable, mais les renforts ne viennent pas. Je poursuis donc seuls les travaux d'extraction, seuls et sans relâche. Je demande si des renforts arriveront un jour. Ah, tristesse. Je t'aide. C'est bon, c'est fini pour toi, bro. On a rien à foutre. J'ai tout pris. C'est quoi ça? Les vrais pas s'il te plaît. As-tu par hasard oublié d'apporter des capsules sonores? Des capsules sonores? Donc bien oublié d'en prendre avec toi. Moi que tu n'en as même jamais entendu parler. Capsules Sonao sont très pratiques. C'est une capsule renfermant des artefacts Sonao portables. Si tu n'en as pas, je veux bien t'en donner quelques-uns. Des turbines! Les Sonao utilisent l'énergie du vent pour transporter des objets, ok? Ouais, je t'ai donné des turbines. Si tu les sors de ta sacoche et que tu les frappes, elles généreront du vent. Des artefacts Sonao de toutes sortes, c'est très pratique. Je regarde toujours une réserve sur moi au cas où. C'est ce que tout le monde devrait faire, mais les gens oublient, que veux-tu? Heureusement, je suis là. Ouvre l'œil et je viens en aide aux têtes de linotte. Ça a dit, je viens de te donner mes dernières capsules, donc à l'avenir, pense à en avoir sur toi. Regarde bien la tête qu'une capsule Sonao, une fois sortie de ta sacoche, ne peut pas y être rangée à nouveau. Ok. Ça marche, bro. On est où, là? On est in the grotte, ok. Là, il y a un golem raffineur. Quel bordel.
Ok. Du coup, sacoche. Sortir de la sacoche. Maintenir, sélectionner. Ah, parce qu'on le voit dans la sacoche là? Oui, il est au fond. Ok. Pas mal faite cette zone tuto, hein. Pas mal faite du tout. Oh, ça a l'air bien là-bas. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça a l'air bien. Bonsoir. Que je lui tombe du temps sonne les heures précises pour signaler le début du matin et du soir. Avec les golems, quand la cloche tintait, nous savions qu'il était temps de se lever ou de se coucher. Nous servions aussi au cours de certaines épreuves solennelles. Cette cloche était au cœur de notre existence sur cette île. Après une certaine nostalgie quand je regarde le temple et que j'entends sa cloche. La cloche lors d'épreuves solennelles. Ok. Qu'est-ce que cette merde là, hein? C'est quoi ça? Ah, j'avais pas vu. Il y a un mec. Générateur fonctionne à merveille. L'objectif du jour en capsule Sonao devrait être atteint. Ah, désires-tu utiliser le générateur? Fais-toi plaisir, j'ai presque atteint mon objectif aujourd'hui. Générateur? Machine est un générateur qu'on utilise pour transformer des matériaux en capsules Sonao. Il accepte les cornes de golem et les orbes d'énergie Sonao, par exemple. Transformer les matériaux, la procédure est la même qu'avec un récipient de cuisson. Prends-les en main, puis jette-les dans l'ouverture. Je dois également te parler des capsules Sonao. Sonao sont des artefacts Sonao portables, tu peux les emporter où tu veux. Sur l'usage unique, une fois déployé, l'artefact contenu dans une capsule ne peut y être remis. Cela dit, tu peux utiliser le générateur pour en fabriquer autant que tu veux. Tu as des matériaux en réserve, je te recommande de les convertir en capsule Sonao pour en avoir toujours sur toi. Si le générateur est à ta guise de mon côté, je m'assure simplement de son bon fonctionnement. D'accord. Pas sûr d'avoir compris. Faut que je mette des trucs là-dedans pour avoir une orbe. Genre, je mets quoi? Un champi, genre. Ok. C'est quoi qu'il veut mettre déjà? Les cornes, attendez. J'ai passé le dialogue parce que je suis un débilos. Cornes de golem ou les orbes d'énergie Sonao. Ok. Cornes de golem ou orbes d'énergie. Ok, j'en prends une là, je la mets dedans. Ça a donné une turbine. Ok. Admettons que maintenant j'en mette deux. Un lance-flamme. Tenir les montres à distance. Permet de cuisiner n'importe où. Peut utiliser qu'une seule fois. Ok. Marmite.
Ok. J'aime bien, j'aime bien. Si j'utilise 5. Oh, le jackpot! Turbine, turbine, marmite de voyage. Lance-flamme, 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 turbine, turbine. Ok, c'est giga jackpot. Merci. C'est bien ce que je vois. Là. Ok. Plutôt par où qu'il faut aller là? Là, là. La 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 la. Ok. Je sais pas trop ce que c'est que cette merde là-bas, mais j'ai pas confiance. Là-bas, ça a l'air d'être la neige. Toi, elle est là-haut déjà. On a l'air de devoir revenir là après. Prendre lui en fait. On gagne une turbine. Mais il y a notre pote là. Faut le ramener. J'ai pas vu qu'on avait encore un poteau. J'aurais pu me débrouiller un peu mieux, voilà ça. Je suis bien embêté, comment je me suis débrouillé pour me retrouver séparé de mon ami. Le moment elle m'attend en faisant des signaux de fumée, il faudrait que je le rattrape sans tarder. Même c'est que je suis tellement fatigué, je peux plus bouger. Pas de soucis bro. Merde, je mets... Pas ouf. Pas si ouf en vrai. Juste comme ça peut-être, c'est de voir. Je peux monter dessus. Ça me paraît bien. Testons. Je te colle bien là. Je monte dessus. Là on frappe. Ouais ça a l'air bien là. Hop là. Je voulais pas te parler. Je te ramène dans ton bro. Merci d'avoir amené mon ami, tiens c'est pour toi. Des noix Korogu, let's go. Ils sont ensemble. Ça fait bien plaisir. Rolsonium. On est reparti là-haut. Je sens qu'il faut que je l'emmène. Je sens que c'est mon bro à la vie à la mort, là, ce... J'ai très peu géré le... Très peu géré la 3D là-dessus. Ok. Plus d'armes. Dommage.
Oh. So long! J'ai pas prévu ça. Comment je vais monter là-haut du coup? C'est vraiment embêtant. Faire des tests. J'ai pas vu qu'on avait un crochet à dispo. Et ça me va du coup. Moins en biais peut-être. Galère là. Ok. C'est tellement bon. Extrêmement bon ce qui se passe. Un génie en fait. Du coup, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un coffre. Il y a quoi dans le coffre? On va check comment marche le lance-flamme aussi. Marmite de voyage. C'est tout. Tout ça pour une marmite. Oh le poisson là. Arowana. Oui, qu'il y a une grotte là. Bonsoir, monsieur, dame. La grotte de la fosse. Si je puis me permettre, il fait extrêmement froid dans cette montagne enneigée qui nous surplombe. Tu vas mal préparer, tu vas très vite perdre de l'énergie, tu pourrais bien en mourir. Tu as de quoi te protéger du froid? C'est-à-dire, préparation insuffisante peut s'avérer fatale dans des climats rudes. J'ai quelques conseils, écoute-les bien. Nos créateurs se protégeaient en consommant des plats qui réchauffent le corps. Apparemment, les plats contenant du piment ont cette vertu. Après, il n'y a pas que les plats. Certains portaient des vêtements épais ou se réchauffaient près du feu. Mais les plats me semblent être la solution la plus pratique, voilà tout. D'ailleurs, il me semble que tu peux pas profiter des effets de plusieurs plats en même temps. Surtout, si je peux me permettre, fais très attention à pas te refroidir accidentellement.
Bon, il me faut du piment, quoi. Je prends un peu de piment, là. C'est pas la grotte au piment, là ? Lancer un matériau. Il se barre en lapin. Go Kinou. On est où là? Ok. Ah mais il est là, il y a du piment. Non, je veux pas te parler, je veux ramasser le piment. Ok, piment. Je prends les trois là, je vais résister pendant 8 minutes au froid. J'ajoute deux ça. Et ça cuisine à fond. Assiette, fruits et champi pic pic. Améliore la résistance au froid niveau 1 surprenante, mais. Ok. Parfait! Encore plus de piment. Encore plus de piment. Impossible d'avoir froid. Faut aller par contre. Moi je veux bien aller là, mais après. Il aurait fallu aller là-bas en fait. Surtout. Je l'ai graillé trop tôt. Pas grave. Peut-être graillé trop tôt, ouais. Ouais. C'est que ça. J'aimerais des réponses. Goal max. Ok. Ok. Aïe! J'ai un peu mal quand même. J'ai un peu mal! Bastien, j'ai mal! Comment on court comme ça? Putain, il y a trop de boutons. Écoute, je suis toujours sur l'équivalent du plateau du prélude du jeu.
Mais pour le moment, c'est très bien, Bastien. Ah! J'ai plus de d'arc. I'm in the sauce. Je suis giga dans la sauce, là. Je suis pas tant dans la sauce que ça, en vrai. Il est trop bien, ce boss, par contre. Attendez. J'ai jamais vu ça. Je me suis fait Rubik's Cube Z. Ok, j'ai compris. Il est vraiment trop bien cet ennemi. J'ai pas une arme meilleure. Je vais le lancer. Vas-y, je le max là. Oh, je suis à chier, dommage. Petit plat? Ça me redonne pas mes plats. Je lose. C'est une fin de jeu pour moi. Prendre l'attaque de feu. Oh putain, il est vraiment dans un endroit de merde. Forme. Putain, mais c'est trop bien, il y a plein de formes différentes. Ouais, il a de la chance que je sache pas tirer. Hein. Je peux pas lui mettre une grosse mine de feu là. C'est pas ouf. C'est bientôt terminado. Je veux sembler plutôt stable au niveau de framerate, vous avez une impression. Là, pour le moment, sur ce boss, ça va. En vrai, dans le jeu, c'est pas le cas. On va pas se mentir, il y a des grosses chutes de framerate. Enfin, il y a des chutes, quoi. Même dans le... Là, on est sur l'équivalent du plateau du prélude du jeu. Il y a déjà des chutes de framerate, donc dans le monde ouvert, je pense qu'il va y en avoir aussi, quoi. Donc ouais, non, quand même, on est sur Switch. On sent que le jeu... Le jeu aurait pu être mieux. Enfin, mériterait une meilleure console, quoi. C'est quoi, ça? Mais après, moi, j'ai joué à Star Wars toute la semaine dernière. J'ai fini Star Wars Jedi Survivor. Donc les chutes de framerate, je suis un peu habitué maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il
Et comment, hormis l'optimisation affreuse, j'attends un patch. Tu parles de Star Wars, Bastien? Star Wars, c'était, c'est vraiment bien, Jedi Survivor. C'est mieux que le premier en tout point. Juste, bah, dommage pour le framerate, quoi. Enfin, dommage pour l'état du jeu. Mais ouais, sinon, c'est mieux que le premier en tout point, quoi. Ah. J'ai aucune idée d'où il faut que j'aille. Je fais 1, mais en vrai, j'ai aucune idée. En fait, une fois que je suis là, je fais quoi? Je peux aller nulle part. Mais ça, je peux peut-être le mettre à une arme. Ah. Genre, je prends mon bâton, là. Bah oui, voilà. Et j'ai une giga-arme. Parfait! Qu'est-ce que j'ai ramassé sur le mob? Alors, j'ai dû ramasser des... J'ai ramassé des matériaux pour améliorer l'équipement ou avoir du nouvel équipement. Et ça, du coup, qui est un espèce de masse. Enfin, je sais pas. De dildo qui tourne. Et je peux le combiner à une de mes armes pour faire une autre arme plus puissante. Comme je viens de faire. Je l'ai mis au bout d'un bâton. Et maintenant, j'ai un gros bâton. C'est vraiment bien, en vrai. Toutes les combinaisons là qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment cool. Je suis qu'au tout début et il y a déjà moyen de s'amuser. Je sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Je sais pas par où me barrer. Je peux pas me barrer là. Je veux me barrer, laissez-moi me barrer d'ici. Il y a que là-bas que je vois où je peux me barrer, non? C'est une mécanique super stylée. C'est super stylé, surtout que tu peux combiner littéralement tout avec tout. Ça n'a aucun putain de sens. C'est trop bien. Ça, c'est trop loin. Je suis baisé, là. Je peux pas partir. Comment je pars d'ici? Laissez-moi partir. Du jeu, hein, je peux pas partir. Si je fais so long. Putain, on voit la map en dessous, ça a l'air immense. Ça me fait repopper là, donc c'est pas ça. Je peux sauter dans l'eau là. Ok, sauvé. C'est bon, tout est pardonné. J'ai cru à la chute libre. J'ai pas de paravoile ni rien. Donc là, on est vraiment bloqué dans le plateau du tuto. Donc on l'a pas fini. C'est exactement la... Enfin, je sais pas si t'as fait Breath of the Wild. Mais du coup, c'est exactement la même mécanique qu'au début de Breath of the Wild. Là, on est sur un plateau et il faut aller faire des sanctuaires pour récupérer les pouvoirs. Et après, on aura certainement accès au monde ouvert et ça sera... On va éviter de niquer cette arme parce que c'est ma plus forte pour le moment. Je suis un peu à Breath of the Wild. Assez pour terminer le tuto, donc je vois, bah parfait. Tu vois exactement ce dont quoi je parle. Et ben, on va se refaire un petit... on va se refaire un petit chariot motorisé, c'est pas grave. Hein. Y a pas de sous.
C'est parti les amis. On va remonter hein. L'endurance va vraiment vite falloir l'augmenter parce que là, le petit rond vert, il fait mal. Oh, il a refait des trucs. En vrai, le somium, ça a l'air que d'acheter ça. Vas-y, je vais racheter ça. Là. Je prends tout, là. Je sais pas trop à quoi ça me servir, mais... Je crois que c'est au bout. Je suis obligé de ressortir une turbine quoi. Du coup je suis quand même bloqué parce que quand je suis en haut, je sais quand même pas où je dois aller. Où je dois aller, toi? Ah. Il me reparle de la cloche. Bien sympa ta cloche, mais. En fait, même si je vais là-haut, ça me sert à rien, quoi. Alors, si je grimpe. J'ai l'endurance pour grimper ça. On va tester hein. C'est pas comme si j'avais autre chose à foutre. Ça donne combien? Seulement 1? 3 minutes? C'est pas ouf hein. Avec deux aussi. 5 minutes 30 c'est mieux. Peut-être grimper en vrai. Hein. Test. C'est non. Faudrait que je grimpe là-haut du coup. Je suis largué hein. Parce que là, je vais là, là, ok, mais ça m'aide pas. Bon, là, il y a toi, mais toi, toi, tu vas me servir à quoi à part à rien? Après, je pourrais grimper là quoi. Je peux grimper ça. Mais non, mais ça sert à rien. Jamais j'ai l'endurance de monter tout ça.
Après, si je bouffe un champi, en vrai... C'est pas loin. Bon, let's go. Tu es un génie. Déjà 7 noix à Korogu quoi, le temps passe si vite. J'ai hâte de savoir comment faire de ça. Mais ok. Ok, on va y arriver. Aïe. Là-haut, le sanctuaire, on y est presque. Va nous falloir du silex. Perdu. Où est le silex? J'en ai, hein. Ça l'a cassé! On refait. Parce que j'ai pas la bonne arme. Ça fait pas de feu! Après, en vrai, on va faire du feu comme ça. Hein. Comme ça devrait marcher. Yonir là! 7ème note Korogu. Que 2493. Je sais pas si t'es pas loin du chiffre à mon avis. Hein. Tu dois pas être très très loin du chiffre. Dernière là. En ce vendredi. Ce vendredi Zelda. Le divin enfant est là. Trop refait. Let's go. J'ai mon bâton pierre. Aïe! Super. Je travaille pas. Sortie de Zelda. Que demander de plus en fait? Impossible de demander autre chose.
je me suis fait geler. Ouh. Arrête! Un petit plat là. Petit plat hein. Arrête! Il veut que me geler! Putain, il y a trop de boutons. Impossible de se souvenir de tout. Tiens, j'ai pas pris le bon. T'as un peu regardé cette nuit? Oh, t'as bien fait hein. C'est ça que je veux. Tiens, tu fais moins le malin là. Gros nul. Parfait. J'ai pas aimé, hein. Ça m'attraque flamboyante, elle a l'air bien quand même. J'ai pas de la merde là. En vrai, l'arme que j'ai là, c'est de la merde. So long. Attendez, une plus grosse claque visuellement. On est sur Switch, hein. On est sur Switch, hein. C'est déjà un miracle que ça tourne dans cet état-là. Hein. La grotte sans fond. Zexa. Fleur produit naturellement une substance explosive qui réagit aux flammes, mais aussi un impact. Oh, les fleurs bombes, c'est le retour des fleurs patachou. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Il est où? Ah, il est là. Ta-ta-ta. Ça tourne et il y a toujours des chutes de framerate, hein, mais bon, ça... Putain, faudra vraiment... De toute façon, on est plus proche de la sortie... On commence à être proche de la sortie de la prochaine console Nintendo, je pense. Parce que c'est pas que la Switch, ça fait 6 ans, mais quand même... ça a l'air bien, là, ce qu'il y a en bas, là. Comment j'y vais, là-bas? Non, mais j'ai pas de paravoile, là. Ça. Ok, vite. Mais c'est trop fort ça. Forte cette arme. Putain, il y a trop de boutons. C'est un enfer. Un gastrolite de like-like. Tranche pierre provient d'un like-like composé de fluides biologiques cristallisés. On lui prête d'excellentes vertus pour la préparation des remèdes. Ça a l'air bien ça. Nopal brut. Opal Gangnam Style. Ouais, du coup, et en bas, c'est interdit. Hein. J'ai pas de moyen de descendre quoi. Dommage. Du rêve. Ouais.
Il est où le chou là? Let's go. C'était propre là ce que j'ai fait. C'est super propre là. J'ai bien aimé là le moment où je me suis explosé la gueule. Les sauvegardes sont généreuses heureusement. On expérimente, hein, on va beaucoup mourir, c'est pas grave. T'as la range du gars par contre. On refait. Tout de suite, je retente l'opération chou-fleur. Mais plus loin. C'est une plus grande réussite. En vrai, l'opération chou-fleur a pas fait tant de dégâts que ça, c'est assez décevant. Succès no death va être compliqué. Je suis déjà mort quelques fois. En tentant des trucs un peu obscurs. Et en me faisant savater par des mobs aussi, mais ça c'est autre chose. Retour du lance-flamme, ok. Fait froid! Que frio! Froid dans votre patelin là. Bon, j'ai l'antifroid du coup. C'est là-bas où j'étais là, pas du tout. Ok, on va essayer de monter là-haut. Bon, c'est dur de monter en bas, donc... Je vais faire ce que je peux. Je pense qu'il en faut une autre. Je sais pas si elle va tenir, par contre. Un autre débat, ça. Elle a l'air bien, là, non? Ça a l'air bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Très très bon plan. J'aurais pas dû ramasser la branche d'arbre. Je m'excuse. J'ai énormément de regrets là. Oh, ça tombe vite. Oh non. Oh non, c'est les problèmes. Non. Je me gourde de tous les boutons. Il y a trop de boutons dans le jeu. C'est impossible. Et où le chou-fleur? Non. Ça leur fait trop mal. Ah. Je
tuer les deux là. Let's go. Tombe pas, tombe pas. Ça. Par contre, faut que je redescende. Ouais, c'est bon, j'ai pas de dégâts d'ici. Bon, super. Mais ça me dit pas trop où je vais aller, hein, où je vais atterrir. Pas trop où je dois aller tout court en plus. Je suis arrivé par là. Faut la descendre là, hein, je pense. Vais-je arriver à l'autre sanctuaire? Pas sûr. Petit plat? De résister 5 minutes au froid. Geronimo ? Attends. Là, y a un dragon qui vole là-bas. Oh ! Tu as cramé mourir ? Yonexaf ! Strong ! Incroyable ce... ce bâton. C'est le bout de bois le plus puissant du jeu. Il va me falloir du piment là. Mais j'ai des piments grillés. C'est pas ouf. J'ai pas du piment tout court. J'ai plus de piment tout court. Selon moi. Oh, c'était un plaisir. Ça fait quoi, 2? C'est pas mal, Nexof, hein. Mais une fois de plus, je suis vraiment que au... C'est quoi? Ça fait 3h30, je dirais que je joue au jeu. Quasi 4h, à mon avis. Et je suis toujours à l'équivalent du plateau du prélude du premier, donc je suis dans la zone tuto. Donc c'est bien, mais j'ai rien vu. Mais c'est bien, hein. Je vais me faire un petit poisson aux fruits, là, aux champis. Voilà, j'ai un peu de soin. J'ai pas de piment! Ah si, mais là, il y a des piments. C'est bon, j'ai des piments! Tout est pardonné. Eh ouais, non, j'ai pas fini la zone tuto, j'ai pas fini le jeu non plus. Hein. Donc ouais, 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 un petit problème. Hein. C'est 3 minutes, ça. Et l'autre, c'est 5h30. Du coup, c'est plus rentable d'utiliser les piments un par un. C'est mieux Genshin Impact? Franchement, assez déçu pour le moment. Il y a un peu moins de meufs en culotte. Donc, je t'avoue que pour le moment, assez déçu par ça, Nexof. Mais sinon, sinon, ça va. Mais ouais, il y a au moins 3h30. Je pense qu'il y a 3h30 de jeu, là. De mon côté. Je pense que je vais être en live jusqu'à 18h à peu près, je dirais.
Ah donc ouais, dur hein. Faut que je descende là. Putain mais faut descendre, faut remonter. En vrai elle est bien faite la zone tuto. Suis derrière la cascade. Non mais c'est pour revenir au... Je me fais bait là, non? Non parce qu'il est là. Je me fais pas si bait. Enfin, je pense que c'est par là. Hein. Vas-y, je suis. Je suis un suiveur. Je reprends vers 2h comme d'hab, 21h. Ouais, je pense pas ce soir. On verra, mais je pense pas. Hein. Parce que là, déjà, ça va faire 7-8 heures de live. 7-8 heures de Zelda, déjà. C'est costaud, hein. Ouais, je pourrais faire un rondin pour aller là-bas. Oh. Oh, j'ai plein de pommes grillées et des glands grillés. Incroyable ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pas le bon. Le Korogu ! Mon arme traîne par terre. Merde, elle peine de neige. Effectivement, c'est bien fait. On brûle aussi ce qu'il y a dans la caisse. C'était pareil dans le premier, en vrai. Donc, ça m'étonne pas, hein. Je suis baisé là hein, quand même. Hein. Parce que moi je veux monter, je peux pas monter. Je me sens un peu baisé là. Bon, désolé YouTube, j'arrive pas à aller au troisième sanctuaire. Je tiens à m'excuser. On va quand même faire un giga rondin. Vais-je sortir de la zone tuto aujourd'hui? Personne ne sait. Même moi, je sais pas. Je pense que je vais faire le plus gros pont que la Terre ait connu. Alors, pas comme ça. Plutôt comme ça. Pas comme ça non plus. Putain, j'y arrive pas. Bon, on va dire que ça va faire l'affaire. Ça m'a saoulé. Après, en vrai, je pourrais utiliser une turbine. Ouais, mais c'est plus marrant de faire un gros pont. Oh, j'ai quasiment plus d'antifroid. Selon moi. Selon me ! Est-ce que c'est assez long, là ? Non, je pense que c'est pas assez long. On va couper encore du bois. Pourquoi il monte? C'est pas grave. Euh...
là. Scarys Mod. Minecraft. On en est où là niveau longueur, ça touche ou pas? Test. Ah, il en manque un. Il manque un petit rondin. Ça a intérêt de tenir. Hein. Je pense que là, on est pas mal. Tu vois ? Alors, il en manque encore. Hein. Il en manque plus d'un. Hein. Il en manque deux, là, au moins, encore. J'ai encore assez de bois. On est là-bas. C'est le dernier, non? Non, j'en ai encore un là-bas au fond. Allez, l'espoir n'est pas perdu. J'attends qu'il repousse. Super. Faut que je change de jeu, Nexof. Putain, ça a brillé méchant. Ils sont déjà morts, ils sont dans le froid, là. Hein. Ok. Chez l'autre là-bas, mais il y en a encore là-bas. Oh, c'est bon. Au niveau arbre, on est bien. J'ai plus de hache par contre bientôt. Ça, c'est très triste. Hein. J'ai fait le max d'objets. Ah non, pas du tout. Hein. J'ai eu peur. Par contre, je peux pas le coller là. Oh, c'est pas ouf ça. Hein. Il est pas collé de manière ouf, mais on fait avec. Ok. Là, je pense que je suis assez long. Ouais, je suis pas mal là. Faut juste bien l'orienter. Ah, franchement, il en manque un pour être parfait. Ok. Est-ce qu'il se bloque? Ouais, non, il en manque un. Après, remarque, si on le cale là contre le truc... C'est bon, je pense. Putain, je suis tombé dans l'eau. Nique sa mère. Mon projet pont est tombé. Non, j'avais un projet. Satisfaisant à voir. Ma mort. Ou mon pont. J'ai mes plans. Hein. Ouais, c'est bon. Bon, c'est compris. On peut pas s'amuser. Le jeu, je vais faire comme tu veux que je fasse. Le jeu, c'est bon. J'ai compris. Pas que je m'amuse. J'ai envie d'acheter le jeu. Je suis un influenceur. Quelqu'un a envie d'acheter le jeu? En vrai, j'adore les ponts. En vrai, le jeu est trop bien. On va faire plus simple. Regardez, on va faire un radeau. Voilà. Là, on s'emmerde un peu. On le met là. On va chercher la turbine.
Voilà. On la colle. Non, faut pas que je tombe. Hein. Ne pas tomber comme une merde challenge. Ok. Et à partir de là... Non, pas ça parce que ça va couper. Let's gang. Parfait. Et arrête-toi. Ma batterie, arrête-toi. Merci. Le PS64 aura une réduction de 0%. N'oubliez pas le code créateur, il n'y en a pas. Ils ont placé quelques turbines au cas où. Même pas, c'est moi. J'ai utilisé ma turbine dans mon inventaire. Oh merde. Je peux pas... Mais arrêtez de foutre mes objets en feu, enfin. C'est pas une manière de voir la vie. Là par contre, de l'autre côté, pour revenir, il y a plein de turbines, ça c'est sûr. Bon, j'ai toujours pas eu le sanctuaire qui est en haut, je le rappelle. C'était l'objectif YouTube, je te promets que je vais y aller, mais je le trouve pas, donc... Super. Oh, là-haut, il y a des gens. Comment je vais faire? Là tu es arrivé, il y en avait des turbines. Ouais, là où je suis arrivé, mais de mon côté, il y en avait pas. C'est ça que je voulais dire. Le pire. Je pense que j'ai fait le pire pont. Ah, mais ça va pas du tout tenir ça. Ah ouais, c'est de la merde, attendez. Ils sont pas dans les bons sens. Décolle. Voilà. Le jeu, c'est vraiment ça? Bah, c'est une des mécaniques du jeu. J'ai pas toutes les mécaniques encore. Mais entre autres, c'est ça. Hein. Putain, j'ai pas de chance, il tombe pas. C'est pas que ça, mais entre autres, ouais, c'est ça. Hein. Si vous aimez pas construire, vous allez vous faire chier. Enfin, faut aimer assembler des objets entre eux pour trouver des solutions à des trucs. C'est trop bien, oui, moi je trouve ça trop bien, hein, mais... Je peux comprendre que ça fasse chier des gens aussi, quoi. Oh non. J'ai plus rien! Ah! Mais putain! Mes objets! Des fruits de gel. Génère un principe stimulant qui augmente vos attaques par basse température. Ok, c'est fort ça. Heureusement qu'ils savent pas viser, hein. Ça pour un coffre nul, je suis sûr. Trois turbines!
C'est incroyable, j'ai rien dit. Une turbine dépensée trop offerte. Oh, le jeu est trop bien. Déjà, là, tout ce qu'on me donne, c'est des rondins et des planches en bois. Là, dans 3 heures, quand on va me donner des vrais trucs, je vais tout coller ensemble, ça va être formidable. Je vais me trimballer avec mon truc. On peut faire des machins qui volent, oui. On en a vu dans les trailers. J'en ai pas encore fait, donc je sais pas exactement comment ça marche, mais tu peux. Ne serait-ce que si je fais ça, là. Ah mais oui, mais je suis débile. C'est comme ça que j'aurais pu monter. Oh ! Attends, test. Voilà. Attends. Pas tout de suite. Attendez, vous allez voir si je peux pas... Si je peux pas voler tout de suite. Vous allez voir ce que vous allez voir. Regardez bien comme je vais bien voler, là. Par contre, j'ai plus de... Attends, faut que je remange. Sinon, je vais remourir comme une merde. Manger. Tac. Là, je sors une turbine. Ok. Boum. Ok. Pourquoi je la prends comme ça? Utilise le pouvoir. Utilise le pouvoir, bordel. Putain, il y a trop de boutons par contre, je suis désolé, j'arrête pas de me perdre dans les boutons. Vraiment, il y a tous les boutons qui sont utilisés, plus des combinaisons de boutons. Ouais, non mais là, ça va pas le faire parce que c'est pas droit, c'est pas droit. Si c'est pas droit, je pense que ça volera pas. Ce sera droit comme ça. Tête. Les boutons. Non mais c'est pas droit. Mettez-vous droit, bordel! Là, ce sera mieux, je pense. Bon, vous savez quoi? C'est un test. C'est pas grave, c'est pas parfait. Oh, ça va être fantastique tellement ça va être de la merde. Ok. Ok, c'est un échec. On verra plus tard. Je pense qu'il faut mettre plus de turbines pour que ça vole. Il n'y avait pas assez de jus. Ah mais là, je reviens au temple, non? Ah ouais, mais non. Du coup, j'ai pas été au temple encore. Faut le sanctuaire, faut que j'aille au sanctuaire. C'est compliqué le jeu, hein. Soir les amis. Faut prendre la turbine ou les caser? Je peux pas la reprendre. Une fois que je l'ai sorti de mon inventaire, je peux pas la remettre dedans. Je peux pas me trimballer avec une turbine tout le jeu. Flèches en bois, super. Tout ça pour ramasser des flèches. Pas ouf. C'est débile? Non, c'est pas si débile que ça. C'est des utilisables, quoi. Je trouve pas ça débile, moi. Ça paraît assez logique, ça va.
J'espère que je refasse des plats au piment là. Putain, vraiment avoir 3 cœurs et un rond d'endurance, ça me trigger au max. Encore. En mémoire, la fin là. La fin de Breath of the Wild là, avec les 128 cœurs. Confirmation du fonctionnement du radeau et de l'artefact Sonao. Ah, je t'avais pas vu, pardon de mon incorrection, tu veux un radeau? Dans ce cas, prends un de ceux qui sont sur la rivière, leur artefact Sonao a également fait l'objet d'une inspection. Leur artefact? Oui, cette chose verte que tu vois là, c'est un artefact Sonao. Ce que j'inspecte d'ailleurs est une turbine, tu peux la frapper n'importe où pour qu'elle s'active et génère du vent. Cette rivière, c'est de la neige fondue, si tu tombes dedans, tu vas très vite perdre ton endurance. Justement pour cette raison que j'entretiens les radeaux permettant de traverser la rivière. Ah, encore une chose, pour fonctionner, les artefacts Sonao ont besoin d'une source d'énergie. Tu pourras les utiliser, il va te falloir une batterie. Mais je vois que t'en as déjà une, c'est formidable, permets-moi tout de même de t'expliquer son fonctionnement. Je sais. Ah, c'est au cas où t'arrives là avant de faire le tour. Ok. Attendez, faut que je refasse des piments. En vrai, je vais en faire un de 8 minutes là. Prendre. Je vais en faire un de 112 minutes là, je pense, non? Oh. 10 minutes 30. Voilà, parfait. Et si je fais que des piments, genre j'en fais 5 là. Oh. 12 minutes 30 anti-froid. Parfait. Ok, c'est bon, on arrête de s'emmerder. Oups là! Vroom vroom! Bon, faut que je remonte. Ah, j'aurais pu monter par là en fait. Non mais là c'est de là d'où je viens. Ah, je sais plus. Comment je vais là-haut en fait? Tellement de questions, si peu de réponses. Mais là, je suis baisé, je peux plus remonter. C'est la sauce, hein. Je pourrais te récupérer, putain. Si je monte sur une turbine simple, ça me fait pas voler. Attendez. Test. Test de turbine. C'était pas loin de me faire voler. Je suis dans la sauce. Est-ce que deux arbres ça me ferait remonter là-haut? Non. Putain. Comment je vais remonter? Par là? Il y a un pont. Mais non, mais c'est pas...
Ah si, là. Ah non. C'est FF, hein. Ouais, je sais bien qu'il fait froid, mais j'attends que mes cœurs tombent à 1,5. J'optimise le soin, comme ça. Et le temps. Le froid. Ah, c'est la sauce là quand même. Hein. Je sais pas comment faire. Je peux pas faire tout le tour. Ce serait abusé. Il faut réfléchir au jeu, quoi. Pas moyen de monter par là-haut. Ça là-haut. Il y a un truc, non? Ah non, mais c'est le corps au goût. Ah, mais non, je suis dans la sauce là. Pas cette épée. Faire tout le tour de la map quand même. Je me respecte. Je suis trop triste. Non mais par là-haut, ça doit marcher. Il y a un truc que j'ai pas vu. C'est pas possible. Après en vrai... Trop de boutons. Je vais faire fonctionner le truc, vous allez voir. Je vais remonter comme ça. On y va. Dommage. Je pense que ça va le faire. Il va falloir que je le monte jusque là-haut, ça va être le plus dur. Est-il en train de s'emmerder? Probablement. Mais il aime bien ça. Niveau d'emmerdement du streamer là. Pas que je tombe hein. Non, mais c'est abusé comme ça rapide par exemple pour une merde, genre bout de bois avec un caillou, ok, mais les armes plus élaborées pour être un poil plus solide. En vrai c'est le cas. Hein.
Et là, pour le moment, j'ai que des bouts de bois de merde. Et des armes usées. Donc, ça s'explique. Je trouve pas ça abusé, en vrai. Ça va, là, pour le moment. Mais surtout, en fait, il y a le truc que t'en récupères tout le temps. Donc, c'est pas si gênant qu'elle se pète. Je peux comprendre que ça puisse saouler hein, certaines personnes. Moi, j'avoue que... Ça va. Franchement, j'en ai assez, là. 4, c'est assez haut. Faut que ça tienne, quoi. Ça va être un équilibre précaire. Ouais, 4, c'est assez haut. Faut que ça tienne, quoi. Pas le cas. Ça va finir par tenir. Arrête. Ok. Pour le moment, mon truc, c'est juste de faire des chemins avec des troncs d'arbres. Je suis spécialisé là-dedans. Donc je vais continuer. Un pont, c'est ça, mais c'est ça qui est trop bien dans ce jeu, c'est que tu te fais tes propres solutions. Le jeu veut pas me faire remonter, mais pas de soucis, j'ai pas besoin que le jeu m'autorise, je m'autorise tout seul. Ah, c'est la même chose. Je pense 3 ça suffit là. Quel jeu de fou quand même. Hein. Vraiment d'avoir collé les objets. C'est la meilleure idée du monde. Attendez, je sais pas où j'en suis dans ma rota là. Hein? Attendez, mais comment ça se passe là? J'ai envie de réouvrir Minecraft. Tu devrais, hein. Très bon jeu Minecraft. Hein. Oh non. J'ai pas sauté sur le bon truc. Quel jeu de fou quand même. Et je suis que sur le plateau du début. Putain, je suis dans le tuto depuis 4 heures. Libérez-moi. Tu restes tout seul, pas de problème, bonne journée. C'est seulement. Seulement la vie marchait comme ça. Ça va pas le faire. Dommage. Tout ça pour des flèches quoi. Je suis dégoûté. Ok, est-ce que je peux monter? Toujours pas. Ah mais il y a le sanctuaire. OMG, je suis arrivé là où je devais aller depuis le début. C'est fantastique. Incroyable. Après 4 heures de rando. Bon, on va voir un nouveau pouvoir. Qu'est-ce que ça va être? Ah. Te voilà, donne-moi ta main droite, je te prie. Faire repousser les arbres, je pense pas, hein.
Sauter à la verticale, de traverser la matière solide au-dessus de vous et d'apparaître de l'autre côté. Ok. Voir si mon bras le possède autrefois, il se nomme infiltration. Si, tu pourras prendre de l'altitude en traversant les parois juste au-dessus de ta tête. Crois-moi, elle te sera bien utile au cours de tes aventures. Faisant l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire, ensuite l'infiltration t'appartiendra. Le pouvoir d'ascension. Ok. On l'avait vu dans les trailers, mais comment ça marche exactement? Ah, si j'ai un plafond, j'appuie sur A. Je traverse tout le plafond. C'est incroyable, ça. Oh, le gain de grimpette. Mais c'est formidable. Ça peut avoir une hache de merde. Après, j'avais plus de hache, donc ça va. On va recouper des arbres. C'est formidable! Ça va être trop bien, ça, à utiliser. Dans le monde ouvert. Bon, let's go. En vrai, ma pancarte de manifestant, là, elle sert à rien. Vas-y. Non, je vais leur foutre le feu. Putain, bouton là. Je combine ma flèche avec. Ils ont les fleurs de feu. Je passe à côté. J'en ai encore. Oui, elles sont à fleurs de feu. Et je peux monter là-haut. Pas mal, hein. C'est bien foutu quand même, hein. Au revoir à tous. Putain, j'ai enfin fini, quoi. J'ai enfin tous les sanctuaires du plateau du prélude. Enfin, de l'île du prélude. Oh. Je vois que ton nouveau bras a retrouvé certains de ses pouvoirs. Peur du temple ne devrait plus te résister désormais. Eh bien, allons-y. À la prochaine vidéo de YouTube. Ciao.